Jack. Jack, ça va? Attends, bouge pas. Ah là, c'est cassé, c'est sûr. Appelle les secours. Allô? Oui, c'est Allison. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. Mais t'as quoi? Et t'as rien à la colonne? Et à la nuque? T'es où? Clinique de l'Espérance, ben c'est sympa comme nom. Attends, donne-moi le numéro de téléphone. C'est qui le chirurgien? Docteur. Ben, j'arrive au plus vite. Allez, courage mon cœur, hein. Je te rappelle. Rappelle-moi dès que tu as parlé au chirurgien. Tu as mon numéro de portable? Note. 0479 22 22 33. 0479 22 22 33. Ah. À plus tard. Ah, mon Dieu. Franz, tu veux un thé? Jack a eu un accident. De voiture? Non, de ski. Il a été opéré hier soir à l'hôpital d'Annemasse. C'est l'hôpital qui l'a appelé? Non, Lisa. C'est grave? C'est trop tôt pour le dire. Il va y être rapatrié? Je sais pas. Lisa doit contacter Europe Assistance. Et... Enfin, elle organise les choses. Je passerai la voir après ma réunion. Courage. T'as pu parler à ta famille? J'ai eu ma mère. On va venir? Demain, peut-être. Vous n'avez pas trop mal? Ça va. Par contre, j'ai très soif. Vous pouvez boire maintenant. Je vous apporte une bouteille d'eau. Merci, mademoiselle.
Oui, c'est ça, Van der Jack. Il a été opéré à Annemasse hier soir dans les Alpes. Il a quitté la Belgique mi-décembre. Oui, j'attends. Non, il n'est pas rentré depuis les moniteurs de ski. Comment ça, pas assuré? Mais il a une mondiale assistance annuelle. Et c'est écrit où, ça? Dans les conditions générales. C'est écrit tout petit, faut une loupe pour les lire. Alors si je vous avais dit qu'il était rentré à Pâques, c'était bon? Mais non, je peux pas le prouver, évidemment que je peux pas le prouver. Ah bon? Pardon? Et alors maintenant on fait quoi? Ah oui, c'est plus votre problème. Et moi j'ai plus qu'à me démerder, c'est ça? Non mais attendez, monsieur... Oh. Quel con! Le chirurgien est optimiste. Il doit encore faire un scanner du bassin et des lombaires, mais normalement, il doit quitter l'hôpital dans 3 jours. Bon, faut aussi ramener sa camionnette et tout son matériel, puisque les assurances nous laissent tomber. Jusqu'à demain, s'il y a quoi, 9 heures de route? Je passe te prendre demain matin vers 6h30. Faut aussi prendre un rendez-vous chez un orthopédiste qui l'examine dès son retour. Tu connais quelqu'un de bien? J'ai contacté un spécialiste en médecine sportive à Saint-Luc. Le docteur tient bon. J'aurais préféré Erasme. Mais 10 francs, on s'en fout. Putain, le Cato, pas Cato, c'est un bon médecin. Tu veux un café? Non, merci, je ne bois toujours pas de café. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as fait repas de living? Oui. C'est bien, non? Je vois que tu collectionnes toujours les toiles d'araignée. C'est bizarre, hein? Tu as toujours les choses que je vois pas. Tu veux que je prépare un pique-nique pour la route? Ah oui, ça nous fera gagner du temps. Mais t'as pas un urinoir pour ça? Ah mais... J'arrive pas dans ce truc. Attends, je vais venir t'aider. Ah, merci mon pote. Ça va, Fifi? Ça va. Tu as oublié d'éteindre la lumière de la salle de bain.
Ah oui. Ça me rappelle quelque chose. Tu pensais que j'allais changer, hein? Ben non. J'aime bien cette sculpture. Ouais. C'est une très belle prouesse technique. C'est simple en même temps sophistiqué. Ouais, elle est vraiment belle. Franz, s'il te plaît, roule un peu moins vite. Mais Fifi, je suis à peine à 140. Bah justement, la limitation, c'est 120. Bon, là, je dépasse juste un camion. Ferme les yeux, respire, je sais pas, serre les fesses. Écoute Mozart. Encore pour combien d'heures? Oh là, minimum 8 heures. Je serais peut-être mieux de m'asseoir derrière, non? Mais je vois que ça s'est pas vraiment arrangé. C'est même pire, tu veux dire. Ça, c'est quoi? Oh, c'est rien, c'est du sédinal. Un petit calmant aux plantes. Ça non plus, ça ne s'est pas arrangé. Ça te dérange pas trop? Non. Avant, ça m'énervait, mais maintenant plus. Je me suis mis au cigario, figure-toi. Ah bon? Ouais. Comme ça, c'est bien, là. Ouais. Et tout le monde nous dépasse. Ça va, mon petit loup? Salut. Tiens, j'ai pris ton coussin. Merci. J'ai chaud ici, non? On a peur. Je suis contente de te voir. Moi aussi. J'ai pris tes affaires. Ta trousse de toilette, ton portable. T'as pensé au chargeur? Ah mince, j'ai oublié le chargeur. C'est pas grave. Bon alors, ton pied, ça va? C'est hyper gonflé. L'infirmière dit que c'est normal, le chirurgien passera tout à l'heure. Ok. Calme. Tu vas pas aller chercher tes béquilles, comme ça on va faire un tour. Pour faire le plein, il y a une station, juste là, où c'est moins cher. Ah merde, c'est fermé. Oui. On a fait un détour de 15 km et puis c'est fermé. Que c'est pas la peine que je te demande si tu veux que je conduise un peu. Tu sais qu'il y a des millions de femmes qui roulent? Oui, ben justement, c'est ça le problème. Oh, t'es toujours aussi macho, hein? Tu veux qu'on s'arrête pour manger? Non, mais tu peux me passer un sandwich.
sont bons. Tu peux m'expliquer c'est quoi au juste le problème avec les assurances? Bah alors c'est simple, aucune ne veut couvrir l'accident. Ni la mondiale, ni la complémentaire, ni celle de la mutuelle. Parce qu'il était à l'étranger depuis plus de 3 mois. Mais la carte neige, elle devrait marcher. Elle couvre même les accidents hors piste. Ouais, mais figure-toi qu'il ne l'avait pas prise. Ça, c'est malin. Il est complètement inconscient ou quoi? Oui, c'est ça. La force de la jeunesse. L'accident, ça n'arrive qu'aux autres. Bon, mais alors, c'est l'assurance de son employeur qui va le prendre en charge? Non plus. Ce contrat d'emploi était terminé depuis 2 jours. Ah bah bravo. Tu peux me passer un peu d'eau, s'il te plaît? Merci. Tu crois qu'il pourra encore skier? J'espère. À 12 ans, il m'a dit « Mam, j'aime le blanc, j'aime la neige, j'aime la montagne. Je veux être moniteur de ski. » C'est toi qui lui as transmis cette passion. Je sais. Tu le regrettes? Non, il adore ce qu'il fait. Mais je serais moins inquiète s'il était champion d'échecs. Ça. D'accord. Vous lui direz que sa mère a téléphoné. Merci. Mais c'est n'importe quoi! Il a été opéré avant-hier, il n'est pas dans sa chambre, il est sorti avec des copains. Il est complètement fou, ton fils. Et de qui tient ça? Notre fils? De moi, sans doute. Ouais, enfin, ça veut dire qu'il n'a pas trop mal. Oui. Passe-moi de l'eau, s'il te plaît. Je suis sûr qu'ils n'ont vraiment pas de chambre libre au carreau d'arrache. Je téléphone à 3 hôtels, tout est complet. Championnat intermoniteur de fin de saison. Puis à Flaine, il n'y a qu'un Pierre et vacances, et il loue qu'à la semaine. J'ai plus vraiment l'âge de dormir dans un centre de jeunesse. Dis, le chef de Jacques est bien sympa de nous proposer une chambre. Comment ça, une chambre? Bah oui. Chez eux aussi, tout est plein. Bon, enfin, comme c'est conçu pour les jeunes, je suppose qu'il y aura des lits superposés. Bah ben quoi? Ça nous rajeunira. Surtout toi. C'est nul. Alors jeune homme, on a la bougeotte. Je suis passé il y a 1 heure, on n'était pas dans votre lit. J'ai pas trop l'habitude de rester tranquille. Allez. Voyons ça. Ça va, vous ne souffrez pas trop? Un peu, je prends les antidouleurs. Ça a l'air d'aller. Voici vos radios. Hein, toutes les explications pour le suivi sont sur le protocole. Vous les remettrez à votre orthopédiste en Belgique. D'accord. Bon. Et puis bonne nouvelle, vous sortez demain matin. Allez, courage, monsieur Vander, et pas trop de folie. Surtout, vous ne posez pas le pied à terre pendant 4 semaines. Vos fractures sont importantes. Elles mettront du temps à calcifier. Merci, docteur. Allez, bonne journée. T'as de la chance. Moi, en cuisine, j'ai besoin de mes 2 bras. Et je sais pas où je vais aller en attendant de reprendre le boulot. En plus de ça, ma famille habite à Alger. Il est parti où, papy? Il l'a emmené au soin intensif, il est tout fait. Pauvre vieux. Mon pote, courage. Ça va aller? Ah ouais, comme d'hab.
Franz et moi, là, je suis enfermée dans les toilettes et personne n'entend. Bon, bah, toi non plus, apparemment. Bonjour. Les toilettes pour hommes, c'est par là. Je sais, mais j'attends ma femme depuis plus de 20 minutes. Elle a peut-être un problème. Ouais, tous les mêmes, toujours des bobards. Pour vous, c'est par là, espèce de voyeur. Pardon? Vous avez très bien compris. Vous dégagez maintenant. Vous allez tout de suite voir si ma femme est là ou je vais chercher le gérant. Ah, c'est bien, on a juste perdu une demi-heure et je me suis fait traiter de voyeur. Mais j'étais inquiet, je pensais que t'avais eu un malaise. Il n'y a vraiment qu'à toi que ça arrive, ce genre de choses. Je m'engueule pas, je pouvais pas savoir que leur verrou était foutu. Franz ralentit. Je crois qu'il y a des flics derrière nous. Ah, où ça, des flics? Bah là, derrière, j'ai vu un gyrophare. Attends, je vois rien. Tu te rappelles quand Jack était tout petit, avec cette dame qu'il gardait pendant mes tournages? Il s'était enfermé dans la toilette, il n'arrivait plus à tourner la clé. Pouf chou. C'était où ça encore? En Charente-Maritime. Il avait 3 ans. Tu m'as raconté, mais j'étais pas là. Souvent, t'étais pas là. Enfin, non, non. Non, c'est moi qui souvent n'étais pas là. Tu crois que je lui ai manqué? Au début, sûrement, oui. Juste après ton départ, il a dit « Papa va construire une grande maison, on va déménager, on va vivre tous ensemble. » Ça lui semblait simple. Après, je sais pas. C'est cool cette musique, tu sais ce que c'est? Non, c'est pas mal. T'as prévenu tes parents? J'ai plus de batterie, j'attendrai d'être à flemme. S'il vous plaît. Alors vous allez suivre la ligne verte à gauche jusqu'au bout. Vous prenez l'ascenseur A, vous montez au deuxième étage, là à gauche, et après les portes à droite jusqu'à la chambre 205. Pardon? Vous suivez la ligne verte au sol, d'accord? À votre gauche jusqu'au bout. Là vous avez les ascenseurs, vous prenez l'ascenseur A. Pardon, vous pouvez répéter, je n'ai pas très bien compris. Bon. Allez-y, je vais vous accompagner jusqu'à l'ascenseur. Vous êtes très charmant. Excusez-moi, 2 minutes, je reviens. C'est pas mal, hein? Construction récente, propre, étonnant pour la France. J'espère surtout qu'il a eu un bon chirurgien. Messieurs, dames, on vient pour Jack Van Der. Vous pouvez nous dire dans quelle chambre il est, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Van Der a quitté l'hôpital cet après-midi. Pardon? Il a signé une décharge, il est parti à 16h. Mais sa facture lui parviendra en Belgique. D'accord, merci. De rien. Et c'est quoi ça? Il est où? Bah, Flaine, où veux-tu qu'il soit?
sonne, hein, mais ça répond pas. Oh. Je recommence. Hein. Alors, Jeff, comment ça va? Oh là là, t'as pas trop mal? Tu nous as fait une de ces peurs. Et merci pour les chocolats. De rien. Viens t'asseoir. Oh. Bah, dis donc, il est tout bleu, ton pied. Je l'ai appelé Schtroumpf. C'est pas, c'est sûr. Elle a... Oh, bah tiens. Et alors? Tu es là, toi? Et alors, comment t'as fait pour qu'ils te laissent sortir? D'habitude, il y en a pour 5 jours minimum. Je crois qu'ils ont compris que j'allais péter une durite. Salut, Jack. Salut. On est vraiment content que l'opération soit bien passée. C'était qui, le chirurgien? Docteur Maître Corbeau sur... Ah, la fontaine. C'est parfait, c'est le meilleur. Bon, tes parents arrivent ce soir. Je leur ai réservé une chambre au même étage que toi. Cool, merci. Bah, y a pas de souci. Tu devrais aller t'allonger maintenant et la jambe bien en l'air, ok? Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous demandes. Merci, chef. Allez. Le chef a dit la jambe bien en l'air, hein, elle sonne pas une partie de jambe en l'air. Clément, t'es con. J'aurais pu t'appeler quand même. Mais il a peut-être plus de batterie. Enfin, il est quand même pas dans la brousse. Non. Là, je crois qu'il est amoureux. Ah bon? Comment tu sais ça? Bah, normalement, il devait rentrer la semaine passée, puis il m'a téléphoné pour me dire qu'il restait skier encore quelques jours. Puis je sais pas pourquoi, je lui ai demandé s'il a rencontré quelqu'un. Il m'a dit oui. Elle est géniale, maman. Sacré Jack. Tu sais qui c'est? Non, je sais seulement qu'elle s'appelle Allison. C'est une Américaine? Je sais pas. Pourquoi il me dit jamais ces choses-là, moi? Parce que vous êtes deux hommes. C'est étrange. Hmm? Que du béton. C'est vrai. C'est une construction de 1960. En harmonie avec la montagne. C'est une station unique pour son époque. C'est un grand architecte qui l'a conçu, Marcel Breuer. Tu m'en as voulu? Hein? Tu m'en as voulu. De quoi? De t'avoir quitté. C'est à moi que j'en ai voulu. D'avoir pas lutté. Oh, c'est loin tout ça. Puis maintenant, j'aime bien ma solitude. Bon, on y va? Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Oh, vous, vous êtes la maman de Jack. Ça se voit tout de suite. Il paraît qu'on a les mêmes expressions. Et moi? Je ressemble à son père? C'est moins évident. L'accent, peut-être? Bon, la chambre de Jack est au 7e étage, tout au fond du couloir. Numéro 715. Et la vôtre, elle est un peu avancée, la 700. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. J'ai parqué la voiture à juste devant l'entrée. Je suppose que je peux pas la laisser là. Oh, bon, une heure, c'est bon. Puis après, il faudra la mettre au parking payant. Le moins cher, c'est à Flaine Forêt. Merci, mademoiselle. Merci. Vous savez, on l'adore, votre fils. Nous aussi.
Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Salut, maman. Salut, papa. Vous avez fait bonne route? Ça va, maman? C'est sympa chez toi. C'est Alison. Vous devez être un peu fatigué. Vous voulez quelque chose à boire? Un thé? Non, non, ça va, merci. Ça va, mon grand? T'as pas trop mal? Ça va. J'aimerais bien voir tes radios. Elles sont les radios, elles. Attends. Une chatte, il retrouverait pas ses jeunes ici. Elle fait au moins 20 cm la plaque. Mais t'en fais une anesthésie générale? Non, une péridurale. Le chirurgien m'expliquait tout, ça faisait super peur. Surtout quand il forait les trous pour mettre les vis, c'est un bruit horrible. Bon, il va falloir s'organiser un peu là. On doit ramener tout ça là demain. Ça va, on a bien le temps. Non, mais je dois mettre la voiture au parking, je peux déjà descendre quelques sacs. Bon, ça tu le laisses ici, je suppose. Oh non, je l'aime trop, je l'ai trouvé à la décharge. Ah, ça c'est à moi par contre. Oh. Merci. En même temps, c'est peut-être pas malin de laisser des trucs dans la voiture la nuit. Non, non, y a pas de soucis, y a pas de voleurs en Savoie. Non, mais c'était comme ça avant, mais maintenant avec tous ces immigrés des pays de l'Est. Non, mais Franck, ça va pas là. Je vais déjà ramener ça chez moi et puis je reviendrai plus tard pour le reste. Je peux vous montrer où est le parking si vous voulez? Ben oui, avec plaisir, oui. Elle est très jolie, Alison, avec ses yeux bleus. Elle te plaît? Ouais. Dis, ton chef, Hervé, nous a réservé une chambre, mais j'ai pas très envie de dormir avec ton père. Enfin, lui non plus, je crois. Ça te dérange si je dors ici? Même c'est ma dernière nuit avec Alison. Bah oui, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai pas dormi avec ton père. Je vais voir avec Clément, on peut peut-être s'arranger. C'était malin la réflexion de papa sur les immigrés de l'Est. Il sait même pas d'où vient Alison. Ouais, mais Alison, ça fait pas tellement roumain. Non, mais elle aurait pu. Puis franchement, Jean Le Pen, elle déteste. Oh, tu connais ton père. Il dit des trucs pas possibles, mais il y pense pas. Eh merde. Tu vas où? Acheter du pain, il n'y a pas de boulangerie en haut. Et tu vas remonter comment? Pareil, j'attends devant l'ascenseur, il y a bien quelqu'un qui va monter. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Il est bon votre ascenseur? Tu trouves? Ah oui, pas toi? Je le vois tous les jours, donc... C'est joli en orange, non? T'aimes pas l'orange? Si, mais c'est pas ma couleur préférée. Tu fais du ski? Ouais. T'es championne? Non. Non? Pas encore. T'es en microbe 2? Ouais, c'est ça. Moi aussi j'étais microbe.
On ne dirait pas, mais j'étais micro. Maintenant, je suis Grolard 1. Tu me crois pas? Tu connais la catégorie des Grolards? Non. Ben, c'est moi. Merci, monsieur. Ils sont où, t'as les superposés? Ils ont dû se tromper de chambre. Qu'on ne doive pas courir au fond du couloir aux couches communes. Tiens, ils ont tout prévu. Les parents, ça va? Pas trop stressé? Bref, c'est des hyperactifs, donc comme d'hab. Je voulais te demander, tu dors ici, toi? Ah non, non. J'ai vidé ma chambre. Tu crois que ma mère pourrait dormir chez toi? Parce que mes parents sont divorcés depuis 15 ans, alors c'est... Mes parents aussi sont séparés, mais ils se parlent plus depuis 15 ans. Mais ouais, pas de problème, je te file les clés, tu les remettras à la réception. Mais y'a plus de matelas, y'a plus rien. J'ai fait un grand nettoyage de printemps. Ça me fait drôle de terminer la saison. On va plus voir. Ce serait peut-être temps que tu passes au mail, Facebook, non? Au courriel, face de book, non merci, non. On se fera des SMS. Par contre, je vais devoir annuler mon contrat de voile encore cet été. Ça fait chier. Allez, t'inquiète. L'hiver prochain, on se retrouve toi et moi ici, d'accord? Bon alors, patron. Bonsoir. Bonsoir. Je suppose que... Vous allez nous proposer tartiflette raclette au fondu. Tout à fait, mais on a aussi des steaks, des côtelettes d'agneau, la soupe de potiron et le fameux couscous. Pour tout le monde, prend du vin. Bon ben, vous nous mettrez déjà une bouteille de vin de votre région. Un petit blanc, bien frais. Comme ça, vous êtes tous moniteurs de ski, vos parents et vos deux frères. Ouais, ouais. Mais moi, j'arrête, je continue mes études. Puis j'irai en Erasmus l'année prochaine. Et où ça? Je sais pas encore, l'Espagne ou l'Écosse. Vous étudiez quoi? Communication et langue, anglais-espagnol. Vos parents, ils sont savoyards? Non, non, en fait, mon père est parisien et ma mère canadienne, mais ils sont installés ici depuis 30 ans. On va prendre un petit dessert, non? Patron, qu'est-ce que vous nous proposez comme dessert? Alors, j'ai tarte tatin, crème brûlée, banane flambée et riche coffee. En tout cas, après, on prend un digestif. Hein? Si j'ai des pilles, il y a qu'ici qu'on en trouve du bon. Et vous prendrez bien un verre avec nous? Papa, Saïd est musulman, donc il... Alors, tiens, allez, fermenter et 4 j'ai des pilles. Hein? Alors, pour moi, monsieur, je prendrai un Irish coffee, s'il vous plaît. C'est du bourre. Ça va, Jack? Ouais. C'était pas trop pénible comme soirée? Non, ça va. C'est drôle, j'ai rarement vu deux personnes aussi différentes. Je sais pas, qui ont l'air de s'aimer encore comme ça. Mon père m'énerve. Mais bon, c'est mon père. Ma mère, je l'adore. Mais elle m'énerve aussi. C'est tout normal, quoi.
toi à gauche ou à droite? Bah, à gauche, pas contre le mur, enfin, si c'est ok pour toi. Tu ronfles toujours? Oui. Et toi? Quoi, moi? Tu ronflais aussi? Moi? Mais tu me l'as jamais dit. Ça se dit pas à une femme. Même à sa femme. T'étais vraiment très gentil. Bon, allez. Bonne nuit. Tu vas où? Dormir. Ton père ronfle. Donne-moi la clé de la chambre de Clément. Je t'ai dit, y a plus de matelas. Non, mais c'est pas grave. Ça va. T'as pas mal. Un peu. T'as de la fièvre? Non. Tu vois ta falcon, j'en ai dans mon sac si tu veux. Alison dort. Ah oui, c'est vrai. Tiens. Allez, bonne nuit. À demain. Monsieur! Monsieur! Je peux monter avec vous? Pardon? Je voudrais monter avec vous. Pour quoi faire? Pour voir la montagne la nuit. Bon alors, juste un petit tour. Aider. Merci. Mettez vos gants, il fait froid. D'accord. Serrez moins fort, on est parti. D'accord. Thank you.
C'est ça que vous vouliez voir? Oui. C'est exactement ça. Tu veux des œufs au plat? Non, merci. Peut-être un jus d'orange? Merci. Bon, allez, je dois y aller, moi. Faut que je sois en haut dans une demi-heure avant le départ de la première manche. J'espère que t'auras un bon dessert. Ah, ça, c'est le hasard. Au revoir. Au revoir, bonne chance. Merci, à bientôt. À bientôt. Ça va? Faut que je t'aide? Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci. C'est vraiment une très belle fille. Mmh. Un peu trop belle, peut-être. En fait, dormi où? Je suis pas tellement dormi, je suis allée me promener. La nuit, dans le noir? Mais je croyais que tu t'aimais pas la montagne. Je l'aime. Depuis cette nuit. Je t'ai vu, hein, glisser sur ton derrière. C'est vrai? Hey, ça va les amoureux? Traîne pas, Alison, tu es trop tard, sinon. Elle est vraiment pas stressée, Alison, avant sa course. Normal, elle a commencé les compètes, elle avait 5 ans. Mam, je suis désolé, faudrait nettoyer la toilette et passer un petit coup d'aspirateur. La couette, je la range où? Ah bah, la couette, on l'embarque, c'est la mienne. Ah d'accord, et je la mets dans quoi? Je sais pas. Bon, t'as donné les clés de la camionnette à maman? Yeah. Elle est garée où? P1. Que je fasse avec ça, Fifi? Bah, tu grattes, allez. Je vais rayer le pare-brise, regarde. Ça... Qu'est-ce que tu... Monsieur! Monsieur! Vous auriez un grattoir, s'il vous plaît? Un savoyard qui n'a pas de grattoir. Attention de ne pas noyer le moteur, mets le contact et tu pompes 2 fois. D'accord. Non, mais j'espère que la batterie n'est pas déchargée. Pompe, pompe. Oui.
Et ça fait un mois avec cette caméra, t'as plus bougé par des moins 20 la nuit, c'est pas malin. Bon, allez, laisse-moi faire. J'y arrive parfois. Parfois ? Toujours, tu veux dire. Arrête, arrête, on a oublié les sacs. Non. Oh, ouais. Ça va ? Mam, n'oublie pas qu'il faut regarder dans les rétros extérieurs. À l'intérieur, on voit rien. Non, mais je vais faire ce que je peux. Puis surtout, dis à ton père de pas rouler trop vite. Tu peux me le dire directement. Ça va ? Ouais. N'oublie pas le frein à main. D'accord. Je suppose que ça te dérange pas trop, avec maman tu dois avoir l'habitude. Ouais, sauf que ces cigarettes tuent moins que tes cigarios. Au fait, maman elle a déjà conduit la camionnette ? Une ou deux fois sans doute pour l'emmener au garage. Alison doit avoir fini sa première manche, la deuxième commence à midi. Je l'aime bien cette gamine. Moi aussi. T'installer chez nous pour ta convalescence, ça pose aucun problème. Ça me ferait plaisir. Merci, pas assez sympa, mais je pense que je serai très bien à la maison. Et Alison, qu'est-ce qu'elle va faire ? Pour l'instant, elle concourt pour la seconde manche. Et ta mère au volant, il n'y a pas beaucoup de progrès. Tu la connais, elle est un peu dans la lune. Qu'est-ce qu'elle fout ta mère ?
Tu sais bien que même les cartes électroniques, ça fonctionne jamais. T'avais qu'à prendre l'autre fil. C'est une merde. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Ça marche pas. Bah, c'est pas un drame. On va réessayer calmement. Donnez-moi votre carte. Ah oh, bah non, ça fonctionne pas en France. Bon. Vous avez pas une autre carte? Si. Ah ben. Oh, la paix. Oh, les bandes hystériques. Qu'est-ce que c'est, 3 minutes dans une vie, je vous demande. Oui. Hein? Ah ben voilà. Eh ben, voyez-vous, à la bonne heure. Hein? C'était pas compliqué. Merci quand même. Oh. Merci. Bonne route. Pas ralenti, même suis pas, et toi tu vas te faire flasher. C'était quand la dernière fois que tu t'es fait retirer le permis? Voilà, je sais plus moi, c'était encore avec la BM. Allez, si je roule à 120, on va mettre des heures et maman voit rien dans le noir. Allô? Ouais, super. Génial. Ah bah c'est ton père qui va être content. Vous allez fêter ça? Cool. Ouais, je t'appelle ce soir quand j'arrive. Ok. Gros bisous. Bisous. Alison a fini 3e. Ah bah super, formidable. C'est dommage qu'elle abandonne la compétition, non? Ça, je sais pas. Non, je suis désolée. Bonjour madame, je vois que vous avez une plaque belge et je vais vers le nord. Vous pourrez me prendre? Madame, madame. Merci. Montez. Merci. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je crois qu'elle a pris un autostoppeur. Non mais c'est dangereux ça. Ah, c'est pas qui c'est ce type, il est peut-être violent. Elle est complètement folle ta mère. Tu sais pas, ce qui serait dangereux, ce serait que personne n'aide plus personne. Quand t'étais petit, elle avait l'habitude de t'emmener avec elle en voiture à Paris. À l'époque, il n'y avait pas encore de GSM. Un soir, vous êtes rentré à 2h du matin, vous étiez tombé en panne d'essence, in the middle of nowhere. Pour elle, c'était normal, elle était comme ça, complètement inconsciente. Et moi, j'étais mort d'angoisse. Mais pas t'inquiéter, regarde, on est encore là. Vous allez où? À Trondheim. En Norvège? C'est loin, ça. Vous connaissez? Non, mais j'aime bien la géographie. Vous allez faire quoi là-bas? Je suis marin pêcheur sans travail depuis un an. Avec les quotas européens, il n'y a plus de boulot. Alors j'ai trouvé un job sur un chalutier. Pêche à la morue. Ça va être dur ça, non? Ouais. Un contrat pour 5 mois et la paye est correcte. Ça ne vous dérange pas si je fume? Allez-y, c'est votre voiture. Vous en voulez une? Merci, j'ai arrêté. C'était trop cher. Mmh.
Et vous, vous allez où? Moi, je suis ce 4x4 gris. Ah bon? Vous faites du ski? Non. Parfois des marches en raquette. Vous pouvez essayer de l'allumer, j'ai pas réussi, moi. Tu vois que c'est un CV, hein? Ça me va. Ça vous ressemble un peu. International. Permis CE, poids lourd avec remorque. Ah, je veux bien, oui. Ce sera plus prudent. On vient de dépasser Valenciennes. Je pense qu'ils veulent faire une pause. C'est le même bouton pour allumer et pour éteindre. Hmm? D'accord. Merci. Vous pouvez m'attendre si vous voulez jusqu'à Bruxelles. Non, je vais essayer de trouver un camion qui est même plus loin. Oui. Au revoir. Ça va, Choupi? Ça va. Qu'est-ce que tu veux? Je veux bien un sandwich fromage et un coca, s'il te plaît. C'est tout? Oh, oui, j'ai pas très faim. Merci. Et alors, ton interlocuteur, il t'a fait la conversation? Ah oui, il est très sympa. C'est un marin pêcheur. Ah ouais, un homme de la mer, quoi. Bah oui. Bonjour. Bonjour. On tourne ensemble? Laisse tomber, Fifi, c'est pour moi.
Merci. Dis, t'oublie pas de prendre tes anti-inflammatoires pendant le repas. Je vais pas les prendre longtemps, tu sais. Ça me coupe l'appétit, puis ça me donne la nausée. Et toi, madame, ça va? Très bien, j'ai un peu dormi. T'as dormi en voiture? Ouais, c'est très bizarre. Avec ce marin, j'avais pas peur. Je dois peut-être le prendre comme chauffeur, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Je sais pas. Tu veux mon sandwich? Je sais pas, j'ai pas très faim. Mais t'as rien mangé, mon garçon? Qui va jusqu'à Hambourg, merci pour le transport. Je trouve très belle, Léo. C'est une bonne nouvelle, ça. T'es bien là? Parfait. Tu devrais aller te coucher, t'es ravané. Ouais. Je me demande pourquoi t'as voulu ramener ce truc horrible. Bon. Allez dormir, mon grand. Je passe te voir demain. À demain pas. Allô, mon amour? Salut, ça va? Ça y est, on est arrivé. T'es sûr que ça va aller? Oui. Merci. Merci pourquoi? C'est notre fils.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non,